Pour la mise en œuvre d'un projet, on va noter quatre grandes phases. Alors, la première phase va dépendre de l'existence d'un cahier des charges. S'il n'y a pas de cahier des D'accord. charges, très souvent, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va faire un cadrage en fait du besoin. Donc, ça va être plutôt réalisé par les cabinets de conseil qui vont permettre de pouvoir cadrer en fait le besoin et de pouvoir orienter le besoin du client vers les différents usages que j'ai cités tout à l'heure. Ça peut être un D'accord. usage communication, parce que en fait l'entreprise veut plutôt mieux communiquer à ses collaborateurs, voilà, pour qu'ils soient plus D'accord. informés, pour qu'ils soient plus impliqués, pour qu'il y ait ce sentiment-là d'appartenance et de façon à pouvoir impliquer les collaborateurs. Donc ça peut être plutôt un projet collaboratif, parce qu'on veut plutôt mettre en place une efficacité au niveau de la collaboration au sein des projets, ou mettre en place des communautés d'entraide, D'accord. ou alors plutôt des communautés de base de connaissances, donc pour pouvoir gérer les bases de connaissances. Ça peut être un D'accord. projet orienté GED avec de Ouais. la gestion documentaire, avec des workflows, avec des process, etc. Donc les cabinets de conseil vont pouvoir cadrer le besoin, comprendre le besoin et pouvoir orienter en fait le client, on va dire, vers D'accord. le ou les usages qui sont les plus indispensables. Et ensuite, on Alors, va avoir une vue. excuse-moi, donc si j'ai bien compris, là, on a une plateforme donc, qui est du logiciel, hein, et on va avoir la plateforme qui est un logiciel, donc avec un éditeur. Tout à fait. Et puis, on va avoir éventuellement un cabinet de conseil qui va éventuellement identifier avec le client quel est l'usage que veut faire le client de cet outil. C'est bien Tout à ça? fait. Alors, on va pas démarrer à cette phase-là, on ne connaît pas encore l'outil, généralement. D'accord, on ne connaît pas encore Généralement, l'outil. en fait, Voilà. le client a un besoin parce qu'il sent Voilà. au niveau de sa façon de travailler, il n'est pas efficace, il y a un problème de Voilà. productivité, il y a un problème de collaboration, les gens ne sont pas souvent au courant, ils n'ont pas la bonne information. Donc, c'est un problème qu'ils veulent résoudre. Donc, très souvent, ils m'envoient D'accord. un cabinet de conseil. Pour leur dire, écoutez, nous on a ce problème-là, on veut être plus, on veut mieux communiquer, on veut mieux collaborer sur des projets, on veut mieux engager les collaborateurs, on veut pouvoir donner accès facilement à l'information. Voilà. Tout à Donc, fait. ils vont pouvoir s'exprimer et le cabinet de conseil va pouvoir en fait cadrer ce besoin-là et produire ce qu'on appelle D'accord. le cahier des charges. Ça marche. OK. Donc, Voilà. effectivement, il y a un besoin et le client, il sent qu'il manque d'efficacité, de productivité, il y a de la redondance, il y a de la perte d'information. Il s'en sort pas. Et il a entendu parler de Digital Workplace. Exactement. Plus ou moins. Et puis, plus ou moins, et éventuellement, il va venir chez Majolan, par exemple. C'est bien ça? Il va venir sur Magellan, par exemple, si Magellan a une entité conseil. D'accord. Si, parce qu'en fait, généralement, à ce niveau-là, ce n'est pas de la technique, c'est beaucoup plus du conseil. Oui, et Si c'est du Magellan a conseil, une c'est entité conseil, en amont. à ce moment-là, les consultants vont pouvoir écouter et accompagner le client sur cette phase de cadrage en D'accord. amont pour pouvoir en fait déjà circonscrire le problème et identifier D'accord. le type de solution qui peut correspondre à ce besoin-là et produire OK, ce qu'on ça appelle un marche. cahier des charges qui va être exploité après par une équipe, Ça par un marche. éditeur, voilà, pour la OK, mise en œuvre. ça marche. Donc ça c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Alors, D'accord. lorsqu'il y a déjà un cahier des charges, ça Oui. permet de sauter la première étape. Parce que D'accord. la première étape permet de pouvoir arriver à un cahier des charges. D'accord, ça marche. Ensuite, ce cahier des charges-là, il peut être un cahier des charges qui n'est pas orienté vers une solution. Ça peut arriver Oui. qu'il soit orienté vers une solution, comme par exemple Office 365, ou alors ça peut être orienté vers une solution comme la plateforme Jalios. Ça peut être orienté vers D'accord. une solution comme Alfresco, etc. Alors, si la solution n'est pas, si le cahier des charges n'est pas orienté vers une solution, ça veut dire que c'est une cahier des charges qui reste beaucoup plus au niveau spécification fonctionnelle, Ouais, voilà. tout à fait. Donc, il va peut-être nécessiter la deuxième phase, qui est la phase Oui. de conception. Ça veut D'accord. dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre le cahier des charges. Généralement, c'est l'intégrateur hein, qui réalise ça. Donc, ça veut dire qu'une société, une entreprise comme Majolan, qui a en fait des consultants qui maîtrisent plusieurs solutions, qui Oui. vont prendre ce cahier des charges-là, qui vont Oui. l'analyser, qui vont faire une sorte de chiffrage
chiffrage et puis de propositions, en fait, de solutions capables de pouvoir répondre à ce besoin-là, avec D'accord. plus ou moins des développements spécifiques à rajouter en plus. Donc, ça, c'est la phase de conception. D'accord. Voilà. Deuxième phase. Et ensuite, la troisième phase va être la phase de mise en œuvre. D'accord. De mise en œuvre. Alors, la mise en œuvre va s'appuyer justement sur les comptes rendus de réunions qui ont été établis pendant la phase de conception. Alors, sur une oui. solution comme sur les solutions de Digital Workplace, très souvent, on ne va pas rentrer dans des projets de un an de dev. Donc, il y a très peu de développement à faire, généralement, dans la Digital Workplace. Donc, ça va beaucoup plus être du 100% paramétrage et 40% de personnalisation, de développement spécifique éventuellement. Donc, la phase de mise en œuvre va beaucoup plus être du paramétrage en MVP. D'accord. Et la dernière phase, ça va être la phase d'accompagnement humain. Parce qu'une solution comme le Digital Workplace, très souvent, va pouvoir accompagner le changement, va accompagner l'évolution des besoins du client. Donc, le besoin n'est jamais fixe. Ça évolue au fur et à mesure. Donc, les clients changent tous les jours. Leur métier doit changer, doit évoluer. Et donc, la plateforme doit pouvoir évoluer avec ce besoin-là. Donc, en fait, on a besoin d'avoir un accompagnement humain ensuite qui va permettre, en fait, à une entreprise de pouvoir, à un intégrateur de pouvoir écouter le besoin du client, l'accompagner oui. sur des mises à jour, des évolutions, ou des corrections, ou même tout simplement sur de la formation, hein, parce que l'accompagnement humain, c'est également de la formation. Donc, sur la D'accord. formation, sur l'outil, etc. Donc, ça, c'est les quatre phases de mise en place d'un projet. Super. Voilà. Wow. Excellent. Alors, si je peux revenir un peu sur la phase de conception. Bien sûr. Très souvent, sur des projets de développement où on met en place la solution de bout en bout, à partir de rien, oui. On fait beaucoup de... on fait beaucoup de soit on fait de l'agile, donc en Scrum, on définit des on fait des specs détaillés, etc. Alors, très souvent dans des projets de Digital Workplace, parce qu'on s'appuie oui. en fait sur un existant, il faut D'accord. savoir que l'existant va couvrir très souvent 80% du besoin. Sinon, en fait, ce n'est pas la peine de faire sur une plateforme. Donc, la plateforme apporte déjà 80% de la réponse du besoin. Donc, pour pouvoir en fait faire une correspondance entre le besoin du client et les fonctionnalités qui sont proposées par la plateforme, on va mettre oui. en place des ateliers. Donc, D'accord. On va mettre en place des ateliers et qu'on va faire, en fait ce qu'on appelle des ateliers de conception qui vont être spécialisés en fonction des usages. On va faire un atelier pour l'usage de gestion documentaire qui va D'accord. permettre de pouvoir faire en fait des specs sur la partie gestion documentaire. On va également faire un atelier sur la partie collaborative, voilà, D'accord. pour accompagner en fait le l'usage de communautés, de gestion de projet au sein de gestion de projet collaboratif, etc. On va avoir D'accord. un usage de réseau social et oui. on va avoir un usage de portail et communication. Voilà. D'accord. Et donc, la méthode au projet, c'est quoi? C'est de faire des ateliers comme cela et après, obtenir, en fait, mettre en place des comptes rendus d'atelier qui vont servir, en fait, de spécification. D'accord. Okay. Ça permet, en fait, de pouvoir, en fait, avoir des projets de mise en œuvre de un mois, deux mois maximum, donc de façon accélérée. D'accord. Donc, en fait, ça veut dire qu'en deux mois, avec un outil, le bon outil de, le bon outil de Digital Workplace, on peut non seulement rapidement couvrir 80% des usages, mais via des ateliers affinés voilà. jusqu'à 100%. Exactement. Alors, c'est une méthodologie qui va être, qui va plutôt permettre en fait de pouvoir impliquer les utilisateurs finaux, donc les principaux oui. utilisateurs, dès la phase du projet. Donc, ça veut dire D'accord. qu'on fait participer les utilisateurs principaux de la plateforme aux différents ateliers. Oui. Pendant l'atelier, on fait ce qu'on appelle, on va pouvoir présenter en fait les standards du produit, adapter oui. le produit aux besoins réels du client. Et éventuellement oui. Arbitrer sur des décalages en termes de besoins par rapport à l'outil, qui peuvent D'accord. après aboutir sur des développements spécifiques. Voilà. Donc D'accord. ça fait qu'en fait, c'est une sorte de conduite de changement qui est anticipée dès la phase projet. D'accord. Super. Et la mise en œuvre, en fait, c'est on appuie sur le bouton et on met en œuvre justement le résultat des ateliers, quoi. Et voilà. Sur les serveurs. On commence la mise en œuvre dans les ateliers, on fait du clic,
Le client, il, en fait, il voit en fait, comment on met en place un outil. Donc, le outil se met en place au fur et à mesure. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est en fait une méthodologie projet qui va dépendre en fait, du type de digital office qu'il y a derrière. Une solution, par exemple, comme la solution Jalios que je connais bien, c'est une solution, solution qui s'adapte bien à ce type de méthodologie-là parce que c'est une solution qui est riche et qui est modulaire. Oui. En fait, on active les fonctionnalités en fonction des besoins. Et comme il y a, il y a déjà une forte richesse fonctionnelle, donc en fait, le but, c'est de ne pas trop s'éloigner en fait, de ce que le produit. Exactement. Et de profiter en fait, de cette richesse fonctionnelle-là pour pouvoir adapter, personnaliser le produit pour arriver en fait, aux besoins initiaux. Super. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent que la solution Jalios, qui est donc parfaitement maîtrisée par Landry, c'est la solution que nous, chez 10 000 codeurs, nous utilisons. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand on va sur workplace.10000codeurs.com, c'est la solution Jalios qui est utilisée. Et je confirme que dans l'accompagnement qui a été fait par Magellan sur cette solution, il y avait déjà des fonctionnalités qui existaient déjà et que nous avons fait des ateliers pour faire du paramétrage des différents espaces. Donc, Magellan nous a demandé, alors Douglas, est-ce qu'il y a des espaces particuliers ? Ben non, on a dit on veut un espace, une salle privée pour l'équipe d'Internet des objets, une salle pour les développeurs, une salle pour la direction. Et donc, on a fait du paramétrage, les blogs, vraiment, c'était très, très rapide. Et c'était surtout très, très bien fait, très, très professionnel avec deux environnements, un environnement de pré-production, un environnement de production. Donc, ça a vraiment été très bien.